Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je retrouve aujourd'hui mon petit album façon scrapbooking que j'utilise pour documenter mon voyage dans ma maison enchantée avec le programme Homecraft de Molly Roberts. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, le lien vers la vidéo est en barre d'infos ci-dessous. Dans les deux premières leçons, nous avons exploré la cartographie énergétique de notre maison et comment faire de notre maison un espace sacré, un hôtel dédié à notre confort et notre épanouissement. Pour cela, nous avons appris à communiquer avec notre maison, à lui donner un nom et à nommer tout le mobilier. Alors maintenant, j'ai l'impression de vivre dans le château ensorcelé de La Belle et la Bête version Disney et c'est trop rigolo. Nous avons aussi pris soin des principaux portails, la porte d'entrée, le vestibule et les différents passages vers les pièces principales. Dans la deuxième leçon, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la cuisine, qui est la pièce magique par excellence, celle où le chaudron mijote, celle où on reçoit les amis. Chez moi, c'est aussi la pièce où je travaille. Marley nous a invités à pratiquer le sortilège du réfrigérateur qui, en gros, consiste à nettoyer son frigo de fond en comble, de l'intérieur à l'extérieur, pour laisser l'abondance entrer dans notre vie. C'est un sortilège très puissant que je vous conseille vivement de pratiquer. Dans cette troisième leçon, nous explorons comment amener de l'harmonie et de l'équilibre dans notre maison grâce aux quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Nous évoquons aussi le tri et une approche magique du minimalisme. Enfin, nous nous consacrons à la chambre, la garde-robe, la table de nuit et l'endroit où l'on prend soin de soi et de son apparence. Depuis que j'ai commencé ce programme, j'ai observé quelques petites choses intéressantes. D'abord, j'ai pris l'habitude, quand je cuisine, de bénir le repas avec une formule magique du style « Faites que ce repas apporte joie et satiété à tous les convives ». Et moi, qui ai toujours eu une peur bleue de cuisiner pour d'autres personnes que moi, eh bien, je peux vous assurer que chaque repas que j'ai cuisiné avec cette formule n'était pas seulement bon, mais vraiment succulent. Et pourtant, j'ai cuisiné des choses que je n'avais jamais touchées de ma vie, comme par exemple des côtes de blettes ou des choux. Et j'ai réussi à en faire une poêlée magique vraiment excellente avec laquelle on s'est régalé pendant plusieurs jours. Ensuite, j'ai réalisé quelques petits talismans enchantés, des pierres peintes de protection ou de guérison, des mobiles façon attrape-rêve avec de vieux CD et des boucles d'oreilles dépareillées et je les ai placés à différents endroits de la maison, notamment à l'entrée de mon coin à patouille et sur ma table de nuit. Et je vous assure que depuis, je dors vraiment super bien et mon coin à patouille est un sanctuaire pétillant de créativité et de motivation. Encore une fois, c'est l'intention et la confiance que cristallisent ces objets qui font que ces petits changements apparaissent. La magie, c'est l'âme qui agit, c'est d'abord à l'intérieur de nous, cela vient de notre capacité à transformer notre perception des choses et de la vie. Et les objets magiques, les formules, ça nous aide simplement à révéler notre magie, notre pouvoir intérieur, et surtout à s'amuser pour alléger le quotidien, parfois pesant. J'ai aussi expérimenté le pouvoir des 27 choses, le fait de bouger 27 choses, pour remettre l'énergie stagnante de la maison en mouvement et donc remettre mon énergie stagnante en mouvement. Donc dès que je me sens vidée, perdue, déprimée, je bouge des choses, je trie, je range. Et tout d'un coup, mon ciel intérieur s'éclaircit et je retrouve mon énergie. Ce qui est fou, c'est que quand j'étais enfant, je pratiquais cet exercice très souvent sans le savoir. Et sans doute que vous aussi. Je me souviens que toutes les semaines, je faisais la poussière sur mes étagères, je rangeais mes livres, je taillais mes crayons, je bougeais mon lit, mon bureau, mes meubles, je faisais du tri dans mes vêtements. Et puis bon, la vie est passée par là, et vers 15 ans, je me suis complètement coupée de mon intuition et de mon pouvoir intérieur, et il m'a fallu 15 ans pour les retrouver en Nouvelle-Calédonie. Cette expérience sur ce caillou du Pacifique a été vraiment incroyable. Tout d'abord, sans le savoir, je suis devenue minimaliste. Avant de partir pour cette aventure, je me suis débarrassée de presque toutes mes possessions matérielles, livres, CD, meubles, vêtements, pour ne garder que l'essentiel qui tenait dans une petite valise et un sac à dos
et 2 petits cartons. J'ai vécu 1 an avec ma valise et mon sac à dos, sans ressentir une seule fois le manque de quelque chose dont je m'étais séparée. Ensuite, notre expérience là-bas nous a amené à faire connaissance avec chaque lieu d'habitation dans lequel nous avons vécu. Maison, bateau, camping, camion. Et nous avons appris à nous discipliner par rapport à l'entretien de chacun de ces espaces. Par exemple, nous ne laissons jamais notre évier déborder. La vaisselle est faite tous les soirs, on se donne le tour. Parce que si on avait le malheur de laisser un évier déborder en Calédonie, on pouvait être sûr de trouver le lendemain matin de charmants invités, tels que des cafards ou autres scolopendres. Et même chose pour les plans de travail. Ils sont toujours nettoyés et nous faisons attention à ne pas laisser traîner trop de choses pour pouvoir cuisiner dans de bonnes conditions. Mon coin à patouille peut facilement devenir un vrai bazar quand je me mets à patouiller, mais il est rangé et nettoyé après chaque séance de patouille thérapie pour avoir les idées claires et la joie de retrouver un espace vierge qui ne demande qu'à pétiller de créativité. Et sans le savoir, nous utilisons la magie des éléments pour harmoniser nos espaces comme l'explique Molly Roberts dans la leçon d'aujourd'hui. La musique et l'encens pour l'air, les plantes et les pierres pour la terre, les huiles essentielles et l'eau de la fontaine du village pour l'eau, des bougies et des représentations du soleil pour le feu. Mon rituel préféré, c'est de passer un coup d'éponge dans les espaces que j'ai utilisés avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de mandarine avant d'aller me coucher pour rafraîchir et égayer l'atmosphère. Ou encore, mettre 2 gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé sur l'oreiller avant de dormir. Les effets sur le moral et les relations dans la maison sont presque immédiats. On se sent à la fois en sécurité et serein. Comme je vous le disais un peu plus tôt, il m'a fallu 15 ans pour retrouver mon intuition et mon pouvoir intérieur, notamment pour prendre soin de moi et donc de ma maison. Ou l'inverse. Et c'est grâce à mon compagnon que j'ai pu renouer avec cette partie de moi, même si ça n'a pas été facile. Lui, qui est un puissant sorcier, éduqué par une puissante sorcière du logis, est doté d'une grande sensibilité et à nous deux, on se laissait facilement posséder par les fantômes présents dans nos lieux d'habitation. Mais grâce à son éducation, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur des routines pour prendre soin de notre maison. Dans ma famille, on est plutôt des sorcières et des sorciers cosmiques, très créatives et créatifs, la tête dans les étoiles, et du coup, on a besoin de fournir beaucoup d'efforts pour être ancré et assumer le quotidien. Pour ça, le Qigong m'a aidé. Plus qu'aidé d'ailleurs, ça m'a complètement transformée. Depuis que je le pratique, j'ai réussi à faire pousser mes racines et à me reconnecter à la terre, tout en gardant la fluidité et la connexion avec les énergies célestes. Et pratiquer le Qigong ou la méditation dans sa maison, cela contribue aussi à harmoniser et équilibrer les énergies d'une pièce. Essayez, vous verrez. Personnellement, j'aime beaucoup les églises, les temples ou les pièces consacrées aux soins Reiki ou au massage. J'aime le calme, la douceur, la lenteur, la sérénité, la nature et j'ai envie que ma maison reflète tout ça. C'est pas facile car la maison est vivante. Et cela nous demande de la vigilance, de la discipline et beaucoup d'écoute pour communiquer avec notre maison et en faire le temple de notre bien-être et de notre créativité. Et comme il n'y a pas de hasard et seulement des rendez-vous, je suis maintenant convaincue que la rencontre avec nos différentes maisons ne sont pas des hasards, mais au contraire des rendez-vous riches d'enseignements et que si on prend soin de la relation avec notre maison et tous ses occupants, alors on peut créer des miracles. Depuis que je parle gentiment à mon ordinateur, à ma tasse, à mon téléphone, ma voiture, et que je les appelle par leur petit nom, notre relation est beaucoup plus sereine et on s'aide mutuellement. Essayez, vous verrez. Ce qui est magique, c'est de prendre conscience que tout est vivant autour de nous, que tout est énergie. Pas seulement les humains, les animaux ou les végétaux, tout. Tout est énergie.
Alors prenez bien soin de vous, de votre maison, de vos proches, mais aussi de vos animaux, de vos plantes, de vos objets, de vos outils. Parlez-leur gentiment, comme vous voudriez qu'on vous parle. Posez-leur des questions, écoutez-les. Ils ont plein de choses à nous dire. Encore merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.